Je viens du Chili, j'habite en France depuis environ 20 ans et j'ai toujours un questionnement autour de ce va-et-vient entre l'ici et l'ailleurs, entre ce que j'ai laissé et ce que je vis ici. Il y a toujours pour moi cette question donc, des souvenirs, du passé et du présent, d'ici et de l'ailleurs. Et petit à petit, c'est venu à intégrer ces interrogations dans ma démarche artistique, qui est avant tout une idée d'apprivoisement du mouvement, du flux, d'essayer de capturer ce flux qui nous traverse en quelque sorte, qui traverse le monde. J'ai trouvé dans la mer un élément de prédilection pour mon travail, car il symbolise en quelque sorte ce va-et-vient, cet ailleurs, cette idée de mouvement, cette idée d'impermanence, cette idée de répétition, d'être toujours en répétition, mais jamais la même chose. Cette idée de la vague aussi, qui est à la fois un motif et un élément, une vague qui transporte de l'énergie, qui se déplace, une vague qui n'est jamais la même et qui se conjugue toujours au temps présent. To record water during days, enregistrer l'eau au fil des jours. C'est un projet qui est important pour moi, c'est un grand projet que je mène depuis 2015 et que je continue à faire aujourd'hui. Il s'agit d'installations qui sont en mouvement et que ce mouvement est connecté à des bouées qui sont dans la mer. Et ces bouées dans la mer enregistrent le va-et-vient des vagues. Et ce va-et-vient des vagues, je l'utilise pour animer et donner vie à mes installations. To record water during days Pacific s'étend sur 6 mètres de long. Et c'est composé de 7 bandes métalliques en cuivre, laiton et inox, de 20 cm de large chacune, donc ça fait environ 140-150 cm de large l'ensemble de l'installation. Et chaque bande métallique, elle est reliée à une bouée en mer. Donc on a 7 bouées dans l'océan Pacifique et chacune des lames est reliée à des bouées qui sont au large du Tijuana, en Californie, en Alaska, au détroit de Bering, vers l'île de Guam et à Hawaï. Donc chaque lame, elle va bouger en fonction de l'état de la mer, là où se trouve la bouée. On aura donc différents rythmes et différents va-et-vient, différents rythmes dans différentes lames, pour avoir en quelque sorte le mouvement de l'océan Pacifique dans différents points du globe dans mon installation. Il veut en quelque sorte nous faire ressentir, nous spectateurs, le mouvement de la Terre, les battements de la Terre, le pouls de la Terre, la rendre vivante en quelque sorte. Et c'était ce travail-là qui m'intéressait. Et en temps réel, on n'est pas dans un enregistrement, on est dans des données réelles. Il y a vraiment un ancrage dans le réel, il y a des bouées qui existent, c'est des bouées qui sont utilisées par des océanographes et qui sont dans des serveurs américains pour monitorer l'état des océans. Et moi j'utilise donc, j'ai cette bouée, j'ai ces informations, ce sont des fréquences, et ces fréquences elles sont traitées pour avoir dans mon installation une surface statistiquement identique à celle qu'on pourrait trouver autour de la bouée. Alors, To Record Water During Days est une série que j'ai commencé en 2015, qui est encore en construction. Et je suis actuellement en train de réaliser une deuxième pièce aussi importante, aussi grande, sur la mer Méditerranée, cette fois-ci connectée sur 10 bouées à 10 endroits différents du pourtour méditerranéen.